allez, chose promise, chose due, bienvenue dans cet épisode 17 de Détroit Become Human. On reprend exactement là où on s'était laissé à la fin de l'épisode 16. On va regarder un petit peu les statistiques tout de même. Statistique monde, combien de personnes ont fait en sorte que le policier soit parti? 84%, c'est pas mal. Les statistiques des amis, mes amis miskines, 77%. Donc, ils ont eu affaire à d'autres choix. C'est plutôt pas trop mal, honnêtement. On est parti pour la suite de nos aventures. Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêt à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors viens en esclave. Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Non, je t'interdis. Ça suffit! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit. Nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les autres. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. Bon, comment vous dire, Marcus, c'est pas mon délire. Trouver le magasin Cyberlife, c'est pas du tout mon délire, mais encore une fois, j'attends pas de perte humaine. Longtemps. Tant qu'il est toujours d'accord avec mes idées, le Marcus, ça va aller. Mais il fait un peu trop le bonhomme à mon goût. Pour l'instant, il fait, je trouve, un peu trop le bonhomme. Ok, bon, il est temps d'aller voir un petit peu tout ce qui va se passer dans cette rue. On a quelque chose à faire derrière? On sait jamais, sur un malentendu. Apparemment, non. On va donc... Marcus, par ici, vite! Devoir attaquer ce putain de magasin et forcément, il y a les flics. C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Oh putain, les gars, on va pas jouer à cache-cache. C'est terrible! Ok, ici on a un petit resto très sympa, hein. Je vous conseille d'ailleurs le hot dog, on adore ici. Le magasin est par là. Vas-y, je te suis. Elle bombarde! Elle a la dalle! Ok, on a quelque chose ici. Oh. Alors, soit c'est le magasin. On peut lui parler. On va le libérer lui. Attendez, bougez pas. Raclette. Tu es libre. Imagine, il dit ce mot. Raclette. Ok, on a... Ah, ça c'est chiant. Tu es éveillé maintenant. Va à Jéricho. Ok. On a encore quelqu'un ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah merde, mais c'est pas ça! Voilà ce que nous sommes pour eux. La vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Snoop Dogg! Snoop Doggy Dogg! Sécuriser la zone, pénétrer dans le magasin. Ok, bon, j'ai 10 minutes. En attendant, je vais convertir tout ce que on je peux, les gars. On va fouiller la place, pour ne pas être dérangé. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aventure du magasin? Attendez. Plus tard, une chose après l'autre. Ok, et maintenant on fait quoi? Attendez. Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à... Ok, il y a des gens à convertir là-dedans. Comment je vais pouvoir les convertir? Très bien. Regardez.
Ils feront bientôt partie des nôtres. Elle est en promo, Miskin. Elle est en solde. Moins 50%. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Putain, il y a tellement de choses à faire, c'est insane. Déjà, lui, on va le convertir. Hop. Raclette. Tu es libre. Ok. Là, on a fait quelque chose aussi. Ah, c'était ici. Parce que cet homme a créé les androïdes. Nous leur sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Plus pour très longtemps. Fais pas trop le malin, Marcus. D'où t'es supérieur à qui, frère? Tu réagis comme l'humain, finalement, comme ce que tu reproches à l'humain. On va l'analyser. Ok. Reconstitution du trajet. Ok. D'accord. Ah. Ok, ce serait trop haut, très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Ce serait trop loin. Forcément, ça va être le dernier, on connaît la chance. Voilà, ce serait trop loin aussi. Bah forcément, l'échafaudage est incroyable. Mais bien sûr. Ok, le drone peut être atteint ici. Très bien. Très très bien. Bon. Le drone peut être atteint à l'échafaudage de derrière. Est-ce qu'il n'y a pas encore du monde à libérer par ici, par hasard? J'ai le temps, hein, on a 10 minutes. Plutôt propre en soi. Ok. Raclette. Quoi? Raclette? Ok, putain, juste à toucher les mecs et on les met libres. Sartek de ouf en vrai. Ok, là on sait qu'il y a un camion. C'est pile ce qu'il nous faut pour enfoncer l'aventure. Ouais, doucement, doucement, doucement. On va carrément enfoncer l'aventure. C'est chiant. Il y a de la circulation. Alors attendez, hein. Un petit 360 noscope. On doit bloquer la route. Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué. Marcus! Ok, allez, on va pouvoir la bloquer la circulation, aucun problème. Voilà, on devrait pas être dérangé. Plus qu'intercepter le drone avant de voler le camion. Parce que le drone, forcément, il va foutre la merde. Bon, on peut pas libérer ceux en vitrine, hein, vous l'aurez compris. Là, il n'y a vraiment rien à faire, apparemment, il n'y a rien. Plus que le drone, les amis, on va s'en occuper en prenant les hauteurs des échafaudages. Par contre, par où passer là-dedans? Hop, on... Attends. Hop. Allez, s'il te plaît, un petit effort. Ah, va falloir prévisualiser l'action. Très bien. Bah écoutez, jusqu'ici, ma foi, c'est pas mal du tout. Non, forcément, il serait trop tard. Donc je suppose qu'il va falloir aller là. Ensuite, encore monter calmement. On a le temps. On est bon. Allez, on va faire ça de suite. C'est parti. Le boss. Allez, zone, c'est fait. J'espère qu'il a pas eu le temps de prévenir les flics. On va pas tarder à le savoir. Pénétrer dans le magasin. Il reste 8 minutes. On est tellement large. Analyser la vitrine.
voler le camion. On va peut-être analyser la vitrine quand même avant, non? On va pas faire les Américains. Allez, casse-toi là. Putain, c'est terrible ce drone. Sidebox, c'est une enclume, c'est n'importe quoi. On va analyser ça. Ça serait dommage quand même d'embrouiller et de tuer la moitié des droïdes. Série AP, usage domestique, ok, on s'en bat les couilles. Ok, système d'alarme, identifier le réseau. Je l'ai trouvé. Ah, ça va peut-être nous demander pas mal de temps cette petite connerie finalement. Peut-être nous demander pas mal de temps. McGregan, ok, on y va. Où peut-il bien être? Ah, peut-être... Ah bah voilà. Chez les mecs des travaux, forcément. Mais oui, c'est clair. Allez, messieurs, bienvenue. Accès au réseau localisé. Ça, c'est fait. Aucun problème. J'allais le faire d'avance, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire à quel point mon génie n'a pas de nom, hein, évidemment. Une raclette, les gars, ça vous tente? Ça te tente, Roger? Tu es éveillé maintenant. Va à Jéricho. Ok. C'est parti. Analyse de la situation, n'est-ce pas? Câble rouge, je pense. Toujours couper le rouge. Ok. Alors, est-ce qu'on peut pas, par exemple, utiliser la même image en boucle? Boucle interne créée. Je suis un monstre. Je suis un monstre, les gars. Allez, c'est fait. Bien joué, Marcus. Non, c'est ma copine. On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le magasin. N'oubliez pas, pas de moi, hein. Allons chercher le camion. Est-ce que tout le monde est OP, là? Attendez, là, il y a quelque chose à faire encore. Est-ce que c'est vraiment le camion? Il y a quelque chose à faire. Est-ce que c'est... Ouais, non, c'est bien le camion. Ah, pardon, excusez-moi. Oh, c'est pas vrai! Bon, qu'est-ce qu'on attend? Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg! Ça fait deux fois! Hein, qu'est-ce qu'on va faire? Ninja? Allez, go! Ok. Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. Il est arrivé, bougez pas. Jusqu'ici, aucun souci. Je me demande ce que tu ferais sans moi. Oh là là, la petite réplique, quoi. Allez, c'est parti. Foncez dans le magasin. Je me demande si chaque Android a des sortes d'empreintes digitales. Hormis un numéro de série. Quelque chose qui peut les rendre uniques. Allez, on va drive un maximum. J'adore drive. Quelque chose me dit que ce plan est beaucoup trop parfait. Et que ça va partir en couille quelque part. Ou je ne sais pas. Mais on va pas tarder à le savoir. Faut attendre 2 heures. Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Allez, go! Et ben voilà, tout s'est plutôt bien passé pour l'instant. Je pense qu'on va pouvoir réveiller tout le monde. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. On
On va réveiller tout le groupe là aussi. Allez, maniez-vous. Je puis vous voir. Déguerpissez. Plus que... Ah, excusez-moi madame. Bon, c'est des androïdes, hein. Ils ressemblent à Simon, ils se ressemblent tous. Allez, c'est fait, leur parler. Oh, je sens pas le délire, là. Marcus fait pas le con encore, hein. Je m'appelle Marcus. Et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet. Conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté, je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Je suis avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Alors, suivez-moi. Allez, on se casse, les gars. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message aux humains. Oh non. Marcus, faire passer un message aux humains. Pacifique ou violent. Transformer Capitol Pork. Attendez, attendez. Marquez toutes les surfaces. Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les et ils te suivront. Tagué. On va pas détruire. Non, 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 non. Symbole. Oh putain de merde! J'aime bien celui-ci. Je trouve cool. Peace! Nous avons un rêve. Je pense donc je suis. Une planète deux espèces. Égalité des droits. Une planète deux espèces. Ça me paraît pas mal. Ça me fait plaisir. Ok. Très très bien. Taguer le symbole, taguer le slogan. Taguer le slogan. Égalité des droits. Ok. Une planète deux espèces, très bien. C'est quoi ça? Pirater, on va pirater. Nous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs. Ok, c'est pas mal. Les gars, moi je suis pacifique, hein. Ok. Je trouve que faut être intelligent pour faire comprendre des choses. Taguer. Nous ne sommes pas vos esclaves, nous sommes une nation. Je ne respire pas, mais je suis vivant. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ah, j'ai peut-être fait une bêtise. Hein. Quelle est cette idée? Quelle est cette idée saugrenue? J'ai fait une bêtise. Bon, on va jusqu'au bout. Hein.
Ok. Taguer. Taguer un symbole. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tagué de symbole. Voilà. Paye amour, mes frères. Ok, c'est pas mal. On a encore des choses à faire un peu partout. Ah, statue. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette statue? On va la taguer. Ah, c'est pas mal, ça. Le petit signe des androïdes. Ah, c'est pas mal. Nous n'avons plus besoin de maître. Nous sommes libres. J'aime bien. C'est un beau troll. Nous sommes pacifiques à 100%. Et ça, c'est incroyable. Placé sur la route. Je vais t'aider. Pourquoi vouloir renverser par une voiture? C'est ridicule. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors attendez, faire passer le message, transformer Capitole, pacifique ou violent, très bien. Pourquoi grimper là-haut? Quelle est cette sombrerie? Ça me paraît haut, hein. Ok, au pire, plus c'est gravé haut, plus ils vont galérer à détruire. Ça me plaît. Pas mal, ça! Allez! Bon, il me reste quoi à faire? Hop, 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 hop. Ah, c'est fini. C'est totalement fini. On a libéré des centaines de nos frères. On a réussi. Ils arrivent. Regagnez tous Jéricho. Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Ça, c'est beau. Sauf si on n'a pas le choix. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est moins beau, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette sombrerie? Approchez du groupe. Ok. Je me casse, hein. Là-bas, c'est pas ouf, hein. North, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? North! Ils les ont tués. C'est rien! C'est des androïdes! Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Qui? Ok, approchez du groupe. Hé, on vient de leur donner la vie, ils sont au courant de rien. On oublie, c'est pas grave. Je ferai pas de mal aux humains de toute façon, quoi qu'il arrive. Ils ont tué nos frères, Marcus.
Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Non, sinon on aura tout gâché, les gars. Soyez pas bêtes. Non. T'es pas obligé de faire ça. Non. Je t'en prie. On va pas tout gâcher. Je t'en prie. Épargner, se venger, ne pas décider. Vous tuer ne me rendra pas mes frères. Ça, c'est beau! Je refuse de combattre la violence par la violence. Là, je retrouve Marcus! Nous interrompons là, je le programme pour un flash spécial. Il était très exactement 2h ce matin quand plusieurs magasins CyberLife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-androïdes opinion à publique proximité solidaire. Des magasins CyberLife vandalisés. Une enquête a été ouverte. Que deux policiers ont été retrouvés en état de choc tout près d'un des magasins CyberLife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe d'androïdes. La situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre nous? Les androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain? Et c'est la fin. Incroyable, on a envoyé notre message. Je pense avoir fait les bons choix encore une fois. Ça, c'est comme dit Marcus, on règle pas la violence par la violence. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Et 74% des gens ont pris mon choix, finalement. On fait la même chose. Donc, c'est plutôt cool. Et niveau amis, 77%. Donc, j'ai des amis qui pensent comme moi. C'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Quoi qu'il arrive, les choix ont clairement, je pense, été bons. N'oubliez pas de j'aime et de commenter. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.